Salut les joueurs. Bonjour. En direct du salon Imagine la Lutte, nous avons le plaisir de recevoir Lucille, donc, qui est trésorière de l'association Abou. Lucille, bonjour. Bonjour. Alors, Abou, pourquoi ? C'est quoi ? C'est une association de reconstitution multihistorique, c'est le 17e, 18e siècle, où on se retrouve entre amis et avec d'autres associations pour faire des reconstitutions. Le combien de membres à peu près ? On est à peu près 6 actifs, oui. Et quelquefois on peut monter à 8 ou 9, voire 10. Et si on compte les enfants, parce qu'on fait en famille aussi, là ça peut monter à beaucoup plus. Que le soir vous réussissez et puis vous sortez les jeux du coup. Donc voilà, le soir on s'amuse beaucoup. On s'amuse à des petits jeux rapides pour s'amuser en chantant, dansant. Ouais, ça donne une ambiance qui est très, très, très bonne ambiance. Ouais, exactement. Très sympa. Et donc au sein de votre. Vous êtes situé à quel endroit? Alors on est situé sur Aline, l'Inde et Tours. Oui, donc vraiment. On est un peu dans la France, voilà, tout à fait. Les amis, voilà, on n'est pas tous de la même région. Et comme ça, c'est pour ça qu'on se réunit un peu partout en France, oui. Quand on est appelé pour justement faire des reconstitutions. Donc on en fait un peu à Giseux, donc à côté de Tours, où on en fait à Coupe-Kerque-Branche, à côté de Dunkerque. Donc vous voyez, on peut bouger un peu partout en France, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est possible, mais qu'est-ce qui tourne bien comme jeu de fait d'entendre une association en ce moment ? Alors, en ce moment, ce qui tourne bien, c'est Splendor. Parce que les diamants, les bijoux, les pierres précieuses, tout de suite ça attire l'œil et les gens adorent. C'est un jeu très facile à mettre en place. Au bout d'un tour, on le comprend. Ensuite, il y a aussi Takenoko. Oui. Ça, c'est très bien en famille aussi. C'est un peu plus complexe, mais c'est très sympathique de voir ça, ce jeu. Ensuite, il y a aussi Trésor de lutin pour les tout petits et les moins grands. Comme ça, vraiment, toutes les familles peuvent jouer avec les petits de 4-5 ans. On peut jouer, c'est super. Elle est sympa aussi. Et très sympathique. Avec les jeux de dragons, donc voilà. Et en plus de dragons, il y a aussi les chevaliers. Voilà. Voilà, parce que justement, il y a les chevaliers, les dragons. Donc tout de suite, ça attire l'œil. Ah, les garçons, ils adorent ça. Alors ça, c'est très beau dire. Et même les filles. Parce qu'il y a les princesses à souris. Bon, c'est parfait. Ouais. Alors, donc, on se retrouve encore sur le salon. Oui, une journée. Encore une journée aujourd'hui, tout à fait. Parfait. Bon, bah, il me reste à vous dire au revoir. Merci à vous. Salut les amis joueurs. Au revoir.